Ouais, attention Centaure pour Dundee 33 qui t'appelle. Affirmatif, tu vas rejoindre Cédric, il n'y a pas de problème. Tu m'arrives très QRP ici, mais je t'entends quand même. Alors là, ce que tu as dit, ça doit être certainement très intéressant. Je dirais pas le contraire, mais là, c'est trop QRP là, de mon côté. Là. Je te rappellerai un peu plus tard, car là, on est à quoi? On est à 2 km là, du Cubera. Là. Je te rappelle. Ouais, t'es sur Centaure pour Dundee 33 qui t'appelle. Alors voilà, je suis en train de passer le pont de la rocade de Libourne. Ouais, j'ai un petit peu de retard du coup, là, j'ai bataillé un petit peu avec la première caméra, la première mini caméra, là, qui s'est foutue en l'air, du coup j'ai perdu un petit peu de temps, j'ai attrapé la seconde pour la mettre en place, à Achy. Donc là, je suis sur la rocade de Libourne. Ok, ben écoute, tu m'as fait un petit signal de poids, là, hein, petit signal de poids, là, sur le wire en face, là, je suis à la sortie de la boule, là, Rémi, hein. Un signal de 3, toi qui m'arrives à chier, un signal de 1, à peine 1, un demi point même. Ah oui, d'accord, ouais, je comprends mieux. J'ai astiqué un petit peu la boîte de miroir, donc forcément ça, l'antenne là brille bien, là ça porte mieux. Ah, j'ai quoi? J'ai deux trois voitures devant moi, à 1000 pattes. Ouais, 3 voitures devant moi, à 1000 pattes. Là, c'est à peu près tout ce qu'il y a, mais bon, les 1000 pattes étant limitées à 80, forcément, on peut pas aller bien vite. Mais bon, c'est pas grave, hein. Si c'est pas 8h30 que j'arriverai là-bas, ce sera 9h moins le quart, et puis c'est tout. Hein. Ok, bye. Pour pouvoir mettre les postes dessus et puis garder le TSP.
50 là sur avec une seule alimentation et bientôt les autres sur une autre alimentation. Voilà. Donc je vais regarder s'il y a ça et puis voilà, je pense que je vais revenir avec ça. Ok, d'accord. Tu sais là, sur quelle fréquence on est là exactement là? Je le sais, oui, c'est la fréquence du Québec, c'est la fréquence d'appel du Québec. Voilà, oui, c'est pour ça que je t'ai dit aussi pour. J'ai pas compris, tu vois, j'avais pas pensé. C'est quand je te dis pas à 155. Ah oui, je dis oui, ok. Voilà, donc c'est pour ça, oui, je sais, c'est la fréquence d'appel du Québec. Affirmatif, c'est ça. On est en place sur la fréquence d'appel du Québec en Lima Sierra Bravo. Comme quoi, quand la propague n'est pas trop là, ceci, cela, rien ne sert de rester sur les supérieurs. Alors qu'on peut très bien redescendre sur les 40 canaux comme on est là. Et en plus, c'est des fréquences qu'on peut aussi utiliser en BLU. Hein. Il n'y a pas d'étiquette marquée réservée à la M dessus. Donc il n'y a pas de souci, hein. Bien au contraire, la preuve, si eux le font, d'autres le font aussi, et pourquoi pas nous aussi. Hein. Tout à fait, puis en plus, là, le premier est à dire à Bravo, donc la base de pied d'ailleurs de la BLU, hein. Voilà. Donc c'est la base extérieure, c'est la base extérieure, pardon, de la BLU. Donc c'est vrai que la population, je pense, qu'elle a fait tout ça, d'accord, mais s'il m'entend, des 213-51 à lui, voilà, donc j'arrive au relais du Cantonou, non, ah bah si, et la station totale qui est dans la ligne droite là, de la Nationale 89, voilà, je suis en train de passer à ce niveau-là. Ok, mais écoute, il n'y a pas de problème là, sur la route, qu'est-ce que ça dit au fait, il y a un peu de monde là, Je sais pas, je suis sur la Nationale 89. Voilà, et j'arrive à la hauteur de la sortie 6. Voilà, je sais pas, j'ai aucune idée. Hein. J'ai encore un petit peu de route avant d'arriver à la rocade. Mais c'est sur la pointe là-bas, d'accord. Oh, moi j'ai compris que tu étais. J'ai compris que tu étais déjà sur la rocade, la sortie 7 là. Ah non, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris un petit peu de retard à cause de la première caméra, de la première mini caméra, juste pour la démarrer, et bien me jouer feignante. Je sais pas comment je suis lundi, mais je sais plus, il faut que je rate mon planning. Si je travaille pas lundi, ben, je vais à nouveau retourner au magasin, car c'est la deuxième qui me claque dans les mains. Quoi. Là, ça commence à bien faire, là, leur connerie. Là. C'est qui là? C'est Amérique? Non, Boulanger Libourne. Comme quoi, quand on achète chez eux, il faut mieux se méfier un petit peu. Ah oui, là, tout à fait. Non, mais je pensais que ça avait été chez. C'est vrai que je pense qu'il n'a pas dit en France, Cédric, je ne sais plus comment il s'appelle. J'étais en train de regarder. Ouais, certainement, oui. Ou alors, il faut carrément taper dans des prix exorbitants avec des GoPro ou des trucs comme ça, quoi. Mais là, non, ça fait trop cher, là, après. Affirmatif, parce que je t'entendais plus, hein, de toute façon. J'avais un gros QRM en passant là dans le trou de la poste, c'est tout ce que j'avais. Quoi. Ok, de toute façon, j'ai compris que tout à l'heure que le micro, je ne l'ai pas repris de suite, donc je ne risquais pas de m'entendre. Mais j'ai compris que oui, tu devais être pour tout à l'heure. Affirmatif, ouais. Sur la route, sur une route parallèle, je vois un feu rouge, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête?
Alors, un feu rouge, c'est 110, ok, d'accord, c'est sur la route parallèle, d'accord, je vais, Hachy. Qui te fait chier, hein, tu balances le feu. Mais tiens, tu parles de ça, là ces jours-ci, là j'ai eu le recyclage EPI. Hein. Et alors on était prévu 4. Sur les 4, il y en a 2 qui sont transférés dans une autre société. Donc on a fait le stage à 2. Enfin, à 3 avec le prof. Autant dire que ça a été rapide le stage. Hachi. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais en principe, c'est 4 minimum. Hein. C'est 4 minimum. Alors maintenant, c'est peut-être un organisme privé par lequel vous êtes passé ou c'est avec. Comment il s'appelle l'OM. La. Voilà, j'ai fait volontairement une petite porteuse pour pas qu'on t'entende citer quoi que ce soit dans le poste. Hachi. Alors, dans ce qu'on m'a dit, oui, c'est une société extérieure, un truc de formation extérieure, qui porte le nom de la société pour qui on travaille. Autant dire que ça ne sort pas de la maison. Quoi. Je crois qu'ils se sont un petit peu mélangés les crayons au bureau. À mon avis, ils n'ont pas tout compris. Quoi. Ok, René. Attends, oui, il me semble que j'ai entendu un petit quick, un petit couac, je sais pas quoi. C'est un break, la station, s'il y a du monde derrière, la fantôme, avec le 10.3, la station en avant. Je suis pas sûr. Hein. Non mais écoute, je croyais avoir entendu. J'ai entendu un petit quelque chose, mais je ne sais pas trop ce que c'était. Si ça se trouve, c'est moi à tous les coups, car je me suis méfié que tu m'annonces pas un nom, quelque chose comme ça. Quoi. Donc j'ai vite rappuyé sur le micro pour pas que ça passe dans la vidéo. Ah oui, non, je t'en parlerai tout à l'heure, je t'en parlerai en vivre moi. Hein. Non, pas de nom là-dessus, tu me connais, hein, pas de nom là-dessus, hein. C'est pas parce que les enculés de direction régionale nous font chier qu'on va pas donner de nom. Oh, comment il est, oh, comment il joue la provoque. Bon, je suis en approche de l'aire d'atterrissage, sortie 26. Ah ok, d'accord. Ouais, ben Rémi, là c'est vrai qu'il arrive, là. Il vient de faire la station d'appel, là. Et là, d'ici 5 minutes, là, normalement, il est là. Toi, je t'avais dit à 8h20, toi, que je suis pile dans les temps, hein. Ah oui, je vois ça, hein. Donc voilà, je vais atteindre le pont, là, qui enjambe la rocade. Alors ce qui est bien, c'est que sur la vidéo, tu pourras voir en même temps le suivi de la route que je ne suis pas en train de faire. Voilà, ça y est, j'ai changé de voie. Bon, ben là, je suis sur la bretelle vers la rocade. Ok, d'accord. Ok, ben il n'y a pas de problème. Oui, je vois là où tu es alors. Pas de soucis. Alors attends, ouais, mais ça y est, je le vois, la trappe. Attends, je le vois. Cédric Dubarque qui est à Saint-Mulle-Montferrand, cherchez l'erreur. Ouais, c'est dans la boîte. Ah ouais, donc c'est bien ce que je dis. Alors ça, je regarde parce qu'il est à la cité des Pins, l'OM, il arrive. Donc quand tu vas sortir, Cédric, tu vas descendre du tram, tu vas vers le bout du tram, tu passes sur le parking, tu verras, il y a des arbres là, après la borne là. Et je suis là sur la gauche.
Bon, autrement dit, Cédric, si tu vois une Batmobile de garer sur le parking, et bien c'est la sienne. Ouais, bah non, je ne vais pas rentrer sur le parking parce qu'il y a des barrières. Donc avec l'antenne, avec ma grande antenne, je ne peux pas y rentrer. Je ne te vois pas, ça fait 47 de balle. Voilà, Ok, ben tiens, hop là, excusez, je suis en train de passer à la sortie 24. Ok, d'accord, oui, donc, oui, mais tout c'est parti, c'est le tour, peut-être ça va passer sur la rocade, hein. Ah, possible, hein. Quoique toi, tu es de l'autre côté, hein. Moi, je passe par en bas. De toute façon, à un moment donné, on va quand même être obligé de se... de se rencontrer, hein, mais voilà, donc si tu veux, c'est... on va à un moment donné être obligé de se croiser. Tiens, justement, là, je viens de voir le relais télévision. J'aperçois l'antenne à Ludovic en haut pour son web SDR. HI 3 coups. On ouvrira, c'est pas grave, il fait pas froid. Voilà. Il fait 12 degrés, dis donc. On a l'impression d'être en été, dis donc. 12 degrés, je croyais qu'il faisait plus, moi. À moins que ce soit dans le push qui soit. Ouais, dans le push. Ah oui, il y a 20 dans le push. À l'extérieur, il fait 12 degrés. Ok. Je dois être dans la descente de Florac, là, quelque part par là. Ah, ok, écoute, ok, sortie 23, là, je suis en train de passer, là, enfin, je vais bientôt passer, là, au niveau de la sortie 23. Ah oui, toi, tu prends le code d'appel, là-bas, de l'autre côté. Et oui, c'est plus court pour moi là, en arrivant depuis la sortie 26, enfin Libon de sortie 26, je passe par en bas, ça me fait plus court. Oui, monsieur, D73 Cédric, alors comment tu vas? Ah, j'ai mal au pied, et tu vois, j'ai fait la couverture avec un poids, je me suis rendu une tuile sur le pied et ça tapait entre la coque et mon pied, je peux dire que j'ai chanté, allez oui, hein. Ouais, encore une fois, t'as été trop bavard, quoi. Hachi. Comment tu le sais? T'as un œil qui traîne dans le push. J'ai mis une petite caméra. Voilà. Bon, allez, on roule, et puis... Tout à l'heure, donc après moi j'ai passé la banque chercher des écureuils et puis voilà, on a mon énorme. Vas-y Michel. Hachi 3 coups, voilà, je suis en train de passer la sortie 22 là. Là je suis en approche là du pont. Putain, on se croirait dans un avion de la façon dont je parle. Voilà, je suis en plein sur le pont, là, rive d'Arcin. Et c'est bon, je vois, ça ne bouchonne pas trop, je peux traverser. Ok, t'as un peu de monde là-bas? Ah, je viens de croire, là, je suis en train de passer sur la Garonne, c'est bon. J'ai réussi à passer avant de me faire écraser par un bateau.
Je ne sais pas aujourd'hui est-ce qu'il y a le bateau, je ne sais plus si il y a une question. Je ne sais plus. Ah bien, il est arrivé hier ou avant-hier le bateau. Ah d'accord, là je ne sais pas. Toi là je suis à 400 mètres de la sortie 20, c'est-à-dire Bègle Cadoujac. Ok, oui, bah, écoute, nous ça y est, là, j'attaque la sortie 9 là. Oui, puisque pour moi là depuis le terminus du train, bah, pour moi c'était le prix direct à la sortie 9 là, et puis bah, tant pis là. Ok. Et au fait, hier soir, on t'a pas entendu dans le QSO. Break. Break, Daniel trois coups. Hier soir, on t'a pas entendu dans le QSO. Daniel Chantor avec Daniel 23, mais non, tu vas voir pourquoi, je t'expliquerai aussi tout à l'heure, puisque j'étais en... voilà, donc tu comprendras sur moi, voilà, quand tu le verras. Voilà, c'est pour ça que tu m'as pas vu hier soir. Ah, je suis trois coups, le break, c'est moi qui dis. Mais si, ça y est, là il n'entend plus, là il a les oreilles bouchées, hein. Il va falloir que je fasse un petit peu de bruit pour qu'il arrive à m'entendre. Oui, 513, donc j'ai pas retenu le prénom là, de l'OM. Qu'est-ce qui? Oui, j'ai pas retenu le prénom de l'OM. Ah, merde, il était bien derrière. Ah, mais c'est pas qu'il y avait Bruguet, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi. Oh. Eh, faut arrêter la fumette, hein. Oui, c'est moi qui faisais l'andouille tout à l'heure. Tu déjeunes au Rhum? Ah putain, oui, je vois ça. Tiens, à propos de Rhum, t'as vu qu'en ce moment, là, on a un super OM là, sur le groupe. Et, je crois, attends, je risque de dire une connerie, et du côté de la Martinique. Ok, pour ça, Rémi, il n'y a pas de problème, voilà. Voilà. Bah, mais écoute, nous, ça y est, là, on est en route, là, donc, on est au Béfano, voilà. Je ne sais pas si l'entraîneur a grillé, mais on est dans le Béfano, là. Salut, Béfano! Ok, ben toi là j'arrive à la hauteur de la sortie 18, Léognan, Cadoujac, Villeneuve-d'Ornon, Pont de la Maille. En fait, on a qu'à partir directement à Marraine, c'est le bon sens là, pour aller à Marraine. Bah justement, dans son message à Daniel hier soir, qu'est-ce que je viens de marquer? Je suis prêt pour Marraine. Ah, je lui dis stop, fais demi-tour. c'est Stas. Mais moi aussi, hein, moi je suis prêt pour Marraine parce que je vais me poser pour le SDR, donc voilà. Et je vais tirer un long fil, j'essaie de faire un long fil, mais vachement long pour le SDR. Et puis voilà, ça a fonctionné pour le SDR là. Décodage, tout type, hein, mais beaucoup sur ordinateur, j'avais pas le poste des cas et tout, j'avais que l'ordinateur et la clé SDR, et vas-y Michel, là, ça va fonctionner. Ah ouais, surtout que j'ai demandé à avoir exactement la même place que l'année dernière. Donc là, ça devrait le faire, ça devrait être bon. On aura la même place que l'an dernier? C'est ce que j'ai demandé. Alors normalement, oui, ça devrait être ça. Ouais, c'est parfait, ouais. C'est parfait, avec un cap, tac. Et après, mon antenne, je vais pas la mettre dans le mât, je vais la mettre ailleurs, parce que si le collègue fait du trafic, il risque de péter la clé en retour au chef. Donc, malgré que la clé, elle est solide. Mais bon, voilà, donc c'est ça que je vais faire. Je ferai, j'amènerai un écran plat aussi. Et comme ça, j'ai deux écrans, et ainsi de suite. Je vais pas me trop me casser le cul, hein. Ça va aller vite, le bazar. Le PC, deux écrans, et puis vas-y Michel, ça va fonctionner. Hein. Ah ben c'est sûr, parce que le matériel que tu entends en ce moment sera branché ben comme l'année dernière, hein, dans la boîte expédition là-bas sur le stand. Tu dois bien m'entendre là, j'imagine, là où tu es, là, vu le signal auquel tu m'arrives. Fais gaffe, ça fonctionne bien. Ouais, je pense que je vais peut-être baisser un petit peu même. Oh, c'est bon. Entre la 12 et la combien? La 12 et la 13. Voilà, ok.
Là, ça devrait être bon. Là, ça devrait être un peu moins fort. Donc, 13. Ok. Et alors, qu'est-ce que je vois? Sortie 16 à l'horizon. Alors, préparez-vous à quitter l'autoroute à 3 km. Voilà, je viens de renclencher la caméra à l'instant. Donc, toutes les conneries que j'ai pu dire, c'est bon, c'est pas dedans. Ben, je vais bien voir ce qu'il me propose. Hein. C'est, tiens, pour une fois, j'ai écouté la gourde qui parle seule. Je sais qu'ils font pas trop, mais bon, c'est juste histoire de rigoler un coup. Voilà, ok, mais là, nous, on arrive à la sortie 15 là, d'Arcachon, là. Dans 2 minutes à peine, je suis sur la sortie d'Arcachon là. Donc on va se croiser sur la route, puisque je vais arriver voilà, sortie 14, 700 mètres. Oui, je vois la Batmobile. Ah oui, je viens de la faire là, que tu me casses les oreilles là. T'es sur la pompe là? Mais non, j'étais sur ta gauche quand je t'ai croisé. Non, mais quel âne celui-là. Et tu m'as regardé en plus. Alors, si tu es sur ma gauche, que t'as loupé ta sortie, hein. Parce qu'il faut que tu prennes la sortie à Arcachon, il fallait prendre la sortie à Arcachon, hein. Ouais, je sais. Je suis GPS. Tu sais, moi je suis bête et méchant, moi. J'écoute que le GPS. Moi, je déconne. Je veux juste voir ce que ça donne. Tiens, j'ai la sortie 14. Ben non, toi, il me demande de continuer. Te faire passer par Pessac alors. Je sais pas, j'en sais de rien. Ah oui, Pessac, puis après, il y a une discothèque par là, quoi. Le Pacha, je crois. Et c'est juste après, là, sur les derrière, là, sur les environs du Pacha, là, pas loin, par là-bas, je crois. Hein. Voilà, tout à fait, oui, ben oui, finalement, oui, il va te faire passer par le Pacha, lui. Voilà, ben moi, j'ai voulu continuer tout droit, pendant la sortie 16, peut-être que je me suis rallongé un peu plus. Bon, en fait, c'est pas grave. Donc, moi, je suis toujours sur l'autoroute, là, hein. Ah ben oui, vu d'où t'arrives, vu qu'on s'est croisé là sur la rocade, ouais, tu te rallonges, là, pour le coup, ouais. Ouais, ben écoute, c'est pas grave, de toute façon, on y arrivera quand même. Oui, voilà, il n'y a rien qui presse, et puis voilà, ça vient juste d'ouvrir, donc c'est tout bon. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème, Rémi, là, tu vois, ben écoute, ça roule bien, là, sur l'autoroute, là, il y a un peu de monde, mais malgré les camions, tout ça, mais ça roule bien, là, tu vois, je suis à 10 kilos, là, pour 11 kilos, donc tu vois, ça va, hein, avec toi maintenant, ça passe à pas de kilos, là. Voilà, et je suis à 10 kilos, donc ça sert à rien d'appuyer pour consommer un peu plus. Moi, tant que ça roule, c'est le principal. Ouais, puis tu vois, là, je suis en train de prendre, je suis en train de passer la sortie Pessac. Hein. C'est curieux, je pensais qu'il... Non, mais le truc, il a bugué, quoi. Il a bugué. D'accord. C'était... Bon, d'accord. Pour le coup, je vais prendre la prochaine sortie. J'ai la le GPS qui a bugué. Ah ouais, voilà. Donc, si tu serais passé par Arcachon, on se serait suivi, ça aurait été Cuivre. Eh oui. Voilà, je vais attraper la sortie Saint-Jean-d'Illac et puis attraper dans l'autre sens. Ok, ben ça y est, là, tu vois, j'ai pris ma sortie 16 là. D'accord, j'ai compris. Il m'avait pas lancé la navigation. C'est... Ah, mais il n'y a pas de souci, ça va être vite vu, quoi. Ouais, ben là, moi, ça y est, je suis sur la bonne route, là. Oh, yeah. Tu prends le souterrain, c'est ça? Je prends le souterrain, comme la dernière fois. Un souterrain? J'ai pris un souterrain, moi? Non mais, tu m'as vu, moi, rentrer dans un souterrain? À part la tête de la première? Mais non, mais oh, hein? À part... oui, ben elle n'est pas là pour le dire, hein, c'est l'antenne. Elle n'est pas là pour en parler, elle. Prenez la troisième sortie.
Et en plus, hein, l'antenne, elle est pas là, mais j'ai la romaine, par contre. Elle peut leur raconter l'histoire. Ah, chier. Ah, bien vu, le con. Ah oui, c'est pas parce que l'antenne n'est pas passée, hein, l'ambassade non plus. Hein. Et c'est l'ambassade qui a souffert, par contre. Aïe, aïe. Oh, voilà, je suis sur la bretelle d'accès pour prendre la rocade à autre sens. Ouais, bah, tu vois, j'étais pas. Le GPS m'avait pas mis sur le bon affichage. Et. Non, mais il a fallu que je fasse, je sais pas, 60 km, j'imagine, pour me rendre compte de ça. Alors, les matins, c'est dur, hein, des fois. Ah, ouais, ben là, tu vois, ça y est, là, j'ai pris la direction gazinée, là. Hein. Ok. Il est 15h30, t'as personne à droite, mais non, ça fait rien. C'est voie centrale ou alors la plus à gauche. Et puis ça reste comme ça. Quoi. Et après, on te dit, il faut pas doubler par la droite. Hachi. Ok, bon, mais là, ça va payer. Là, je suis sur cette axe gazinée. Ouais, ben tu vois, là, j'ai mis la fréquence au relais. Là. Par contre, il n'y a pas grave à voir sur la VHF là. Ok, voilà, c'est un type P5. Ah mais tu t'es rallongé là, Rémi, hein. Tu t'es rallongé parce que toi, tu serais quasiment arrivé là, si tu étais passé par là où je suis passé. Nya. Et voilà, hein, donc, normalement, on devrait arriver pile poil, je pense, par là. Ouais, non, mais j'ai pas fait gaffe que j'étais passé le bon affichage. Voilà, c'est ce qui m'a induit en erreur, là, sur la fin. Ouais, bah, moi, ça me le fait trop aussi au GPS, là, que ça bug. Ouais, voilà, bon, ça y est, là, j'ai la bonne carte devant les yeux, c'est tout bon. Voilà, là, je suis au feu, prêt à tourner direction l'Alouette. Ok, la fréquence prenez pour l'autre, va essayer de chercher la fréquence là parce que ça cause pas beaucoup là dans le relais là de ma chaîne. Lance un break pour les cibistes. Putain, tu vois comment ça va répondre. Ah non, fais pas ça. Hein. Il y a des grenouilles de mon côté là en fréquence. Bon, hé, Rémi, tu vas rigoler. Tu vas rigoler, Rémi. Ça y est, c'est mangé un trottoir. J'ai vu le tunnel. Eh bien, malheureusement, je vais être obligé de faire le tour parce que le tunnel, j'y vais pas dans le tunnel. Ah ouais, toi, je me suis planté, là, je me dis suivre Toc Toc au lieu de suivre cette station gazinée parce que j'arrive à parler derrière et je me suis suivre de l'autre côté. T'arrives par la boîte à caca, t'es à Santiago 7 au dernier passage. Ouais, ben là, tu vois, je remonte vers Toc Toc au là. Non, mais je vais essayer de rattraper sur la gauche, là, si je peux, je... ah mais non, de toute façon, non, je suis obligé de remonter à Toc Toc au parce que... ouais, je vais remonter par Toc Toc au, je vais remonter là-bas tout à fait au fond. Et puis, rattraper parce que, non, j'ai pas envie de me retrouver avec un autre tunnel et puis laisser l'antenne une fois de plus, hein. C'est bon, ça. Alors tu sais qu'il existe des embases motorisées hein, qui te permettent de coucher l'antenne. Oui, bon, j'aurais pas eu l'antenne, ça aurait été. Et c'est la partie que j'étais en terrain. Ouais. Enfin, pas ce cimetière, mais au cimetière d'Assessin. Et voilà. Oui, donc, ben là, oui, je vais rattraper. Allez, tu roules, hein, finis.
carte là, putain. Travailleur du dimanche là, portugais là. Ah oui, ça c'est encore un portugais là. Il y a que eux qui travaillent les week-ends. C'est pas possible ça. C'est pas, tu ne vas jamais en avant de travailler le week-end. Et nous alors, on fait quoi? On est portugais? On travaille assez souvent le week-end aussi, hein. Ça y est, il a perdu le micro. Là. Ouais, non, ouais, attends, je me suis planté là, je sais pas trop ce que j'ai branlé là, mais bon, ouais, il faut que je refasse le tour du propriétaire et puis revenir. D'accord, arrêtez de raconter sans arrêt des conneries, ouais. C'est t'es obligé, pour raconter des conneries, t'es obligé de réfléchir. Quand tu réfléchis, tu sais que t'arrives pas à faire autre chose. Alors, regarde où tu vas. J'aurais dû suivre ton parcours. L'emploi qui donne pour y aller, finalement, tu vois, quand je t'ai dit, j'ai voulu suivre un magasiné, puis avec des antennes, ça passe pas. Pour le coup, tu vois que moi, je me suis planté là de mon côté, je suis arrivé le premier. T'inquiète pas, va, tu vas voir le vent que je vais te mettre, tu vas voir. Putain, tu vas mettre un tel vent que tu vas oublier de t'arrêter pour le coup. Ah, je pense que tu n'en pas loin, toi, là. Alors, attends, je suis en train de faire 4e, 3e. C'est bon, je reste en 4e. Si je te dis que je passe une ligne à haute tension, ça t'en dit vachement, hein. Le 48 à ma droite, pâtisserie, le 48, je sais pas si tu connais. Oula, mais là t'es dans mes sacs là. À fond. Ah oui, non, là tu. Je sais pas, mais là je crois que tu t'es planté là. Bah tu sais, hein, je suis encore la gourde qui parle seule. Hein. J'ai beau lui parler, elle me répond pas, quoi. Donc je parle plus et puis je suis. Le Pacha, c'était la sortie 13, je crois. Le Pacha, il me semble que c'était la sortie 13. Et il fallait tourner à droite au Pacha. Ouais, je sais plus. De toute façon, j'ai Cestas Gassiné droit devant moi. Quoi. Allez, dès que tu vois Toktoko, tu suis Toktoko plutôt, parce que Gassiné, tu vas te retrouver là où je me suis retrouvé, moi. À moins que tu arrives par le bon côté. Ah, alors ça, prenez la deuxième sortie, elle me dit. Oui, madame, j'écoute. Toktoko, eh bien, t'as Gassiné, Toktoko, même direction. Ouais, tu suis Toktoko, Rémi. Voilà, puis là, tu vas arriver à la salle, parce que moi, je suis à les Unélus, là. Voilà, j'arrive à là, tu sais, même à l'Intermarché, là, tu sais, là où on allait manger. Oui, d'accord. T'es juste. Oui, t'es au bout de la rue, quoi. Voilà, moi je suis au bout de la rue, là. Ah merde, tu vas arriver avant moi, quoi. Et puis j'ai une tortue devant moi qui roule à 50, putain, mais. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui roulent à 50 comme ça en agglomération, quoi. C'est du gros n'importe quoi, ça. Ah, chi. Ah merde, faut que je tourne à gauche. Et je suis pas loin aussi. MBT, j'ai Ibiza à ma droite. Écoute le cul là. Va tout droit. Comment ça, tout droit? Non, c'est ici. Voilà, c'est ici. Voilà, et c'est juste un peu plus loin. Ah, tu vois que tu me rattrapes là derrière. Et c'est ici à gauche là, qu'on a mangé le dernier coup là. Tu vois, regarde. C'est là ici à gauche. Et nous on va là juste un peu plus loin tout droit. Qui c'est qui met avant à l'autre? Et fais gaffe, t'as un fantôme qui te suit. Ouais. Qui c'est qui met avant à l'autre là sur le coup? J'ai rien dit. Voilà. Hein. Allez, ça se fait sur presque rien. Alors là, on me dit sur 300 mètres tourner à droite. Je veux bien, mais je sais plus là pour le coup. Ah, là, tout droit. Ouais, c'est bien ça, oui.
parce que de mémoire, c'est justement, c'est tout droit, ils n'ont pas à droite. Hein. Comme quoi, toi, okay. Oui, puis là, j'aperçois de la bagnole de droit devant moi. Oh oui. De toute façon, c'est au bout, puisque je vois il y a la poste ou je sais pas quoi là-bas au bout, là. Ouais, ouais, il y a toutes les voitures, là, qui sont là, là, ça y est. Hein. Là, on est rendu. Il y a des antennes, ouais, il y a quelques antennes. Allez, Radio Broc sur la gauche. Et si on laissait la voiture là, comme ça, là, ici, là, pile là où on est, là. Ben t'es là, tu m'étonnes. On fait un peu de bruit. Ah ouais, on fait un peu de bruit. Voilà. Ok. Ah c'est un accident à gauche. Ah oui, je vois ça. Salut. Attends deux secondes. Qu'est-ce qu'il nous veut là? Regarde. Ouais, bon ben voilà, nous voilà rendus à la poste, à gauche. Ah oh ben oui, de toute façon, tout le monde est déjà là. Ils sont tous arrivés avant l'heure, comme à chaque fois. Hein. Bon, à droite, parce que je pense qu'il doit y avoir des places devant le commerce. À droite, sans s'attarder. Attention, Daniel, il faut que je recule un peu. Le branleur. Bah, mets-toi là à côté, sinon. Et tu te mets à gauche, là, regarde, sur le trottoir, là. Là, ici, devant moi, qu'est-ce que tu me dis? Oh, j'ai une idée. Ouais, je coupe, j'ai une idée. Je vois de la place. Ouais, j'arrive.